Bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, la marque est en plein renouveau dans un contexte un petit peu particulier. Que devient le Jardin Retrouvé ? Elle a été créée en 1975 par mon père, Yori Gutzatz, qui était parfumeur, et qui est vraisemblablement une des toutes premières marques de niche au monde. Nous l'avons relancée avec ma femme Clara, qui est artiste et directrice de création de la marque, il y a bientôt 4 ans. Et nous sommes installés ici au 55 rue Montmartre dans quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à une boutique qui est notre Experience Store. Vous allez avoir la primeur. Je vous ouvre l'armoire qui nous permet de rentrer dans une salle cachée. Clara a construit un lieu unique qui vous permet à la fois d'entendre une histoire pour chaque parfum, de voir une vidéo et de sentir le parfum. Donc effectivement, là, on prend un audio guide, comme dans les musées. On écoute une histoire qui évoque le parfum et puis on peut sentir l'odeur qui accompagne l'histoire. L'histoire fait voyager. Parce que chaque parfum est associé à un jardin, le jardin retrouvé. Ici, l'eau des délices, c'est un jardin métaphorique, c'est pas un jardin réel, c'est le jardin des délices de Jérôme Bosch. Verveine d'été nous emmène au jardin d'été à Saint-Pétersbourg. Sandalwood sacré, c'est un voyage dans l'Inde imaginaire du XVIIIe siècle. Exactement comme le Trianon, l'histoire nous emmène dans le temps aussi, puisqu'on va entendre parler des courtisans et des femmes qui se pâmaient en sentant les parterres de tubéreuses plantées par le roi dans les jardins de Versailles, et ainsi de suite. Voilà, et vous êtes invité. Alors il y a un arbre de vie, un arbre de senteur que Clara a construit et dans lequel vous voyez que les fleurs imaginaires sont des tissus. Et tous ces tissus proviennent de la collection de ma mère qui importait les tissus d'Inde. Elle a fait connaître tous les textiles indiens à toute la mode française dans les années 60 et 70. Et donc on a réutilisé ces tissus à la fois dans cet arbre mais aussi dans les pochons que nous offrons à nos clients quand ils achètent des flacons sans boîte chez nous. Tous nos flacons sont rechargeables, toutes nos bougies, les contenants de nos bougies qui sont des très beaux porcelaines de Limoges sont réutilisables aussi, vous pouvez en faire des services à thé, vraiment des très très belles choses. L'idée, c'est vraiment de protéger la planète et de faire en sorte que dans la parfumerie, on ne jette pas, on réutilise. Le Jardin Retrouvé reprend son expansion mondiale et bien sûr, nous vendons sur Internet, sur notre site. Merci beaucoup Isabelle.